coulisses du road trip, ce que vous ne verrez jamais sur n'importe quelle autre chaîne. Petite nuit, camping sauvage, franchement, l'une des meilleures nuits dans la tente. À moi, ma meilleure. Ouais, Bertrand, même sa meilleure nuit dans la tente. Dans la tente, ouais. Nickel. Et franchement, on était dans un petit coin là. Le livret. Ouais. Il y a le livret derrière, les vignes autour. Et ça sent bon dans le livret. J'étais me promener ce matin, mais ça sent bon sous ces oliviers. C'est excellent. Franchement, rien que pour ça, ça vaut la peine de passer par là. Ouais. Voilà, puis on a mangé au restaurant juste derrière hier soir. On s'est fait péter un bon resto. Du coup, on n'a pas payé la... Voilà. Voilà, et on est au vigneron d'Argeilleux. Voilà. Saint-Pichet, on peut goûter les vins. Et nous, on a fait une bonne dégustation hier soir. Franchement, c'était top. On a goûté du blanc, du rouge et tout. On est ressorti un peu allumé déjà. Du coup, l'apéro était vite fait. Voilà, on a profité. Mais là, ce matin, un temps, mais il n'y a pas un nuage. Regarde-moi ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une superbe journée de roulage. Hein, Bertrand? Ouais. Mais comme tout, tout était belle, mais... Ouais, mais quand il y a le soleil, c'est quand même plus beau. Ouais, le ciel bleu, c'est le premier tout bleu aujourd'hui. Ouais, ouais, il y a vraiment, mais tout le tour, hein, je vous mens pas, il n'y a pas un nuage. Rien. Ah, ça va être le pied. Wow. Ouais. Enfin, pas mon pied, parce que mon pied, il fait mal, mais... Ouais, je la rote un peu, mais ça va aller. Ça va. On est rentré dans le parc de ciel. On est rouge. Pause de midi au bord de la route, au milieu des vignes. Sous des beaux tuyaux, regarde ça. Hop. Wow. Avec un magnifique Bertrand. Voilà. Hein. Les vélomoteurs fonctionnent toujours bien, on n'a pas de soucis, tout nickel. Vous avez vu cette construction là? Mais ben regardez ce que c'est. Donc là, il y avait un canal, tu vois, rallié. Et puis là, je sais pas si on va voir, mais c'est des puits. Tu vois? C'est les puits, et t'en as un petit peu partout, toi, il y en a encore un tout au fond là-bas, t'en as un petit peu dans tous les coins, et c'était pour arroser, amener l'eau, pour arroser les vignes. Donc on en voit un petit peu partout, c'est le truc qui regarde. Regarde-moi ces magnifiques tuyas. Waouh! Superbe! Ouais. Et puis là, on s'est fait un petit plaisir. Donc, c'était quoi? Un petit pâté de canard? Pâté de canard au Montbazien. Voilà. Avec les petites olives. Du Languedoc. Voilà. Petite bière, chips, pain. Pain aux noix. Voilà. Hein? La vie est belle. Et la vie est belle. Santé Bertrand.
pied. Franchement, jolie route, sympa. Regardez-moi ça un peu. Ah là, on se fait plaisir. Bon, il y a des descentes, il y a des montées. Les montées, ben voilà, c'est un peu plus long. Tiens, une voiture de la poste. Je vais faire un petit pouet pouet. Bonjour la poste. Bah ouais, j'ai la remorque de la poste parce que je suis un petit coco. Hein. Non, ouais. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension. Voilà. Faut que je mette sur la boum. Ah ouais. Putain, j'ai désactivé. Ouais. Et tu me filmes là. Ouais. Tu pourrais avertir. Voilà. C'est les coulisses. C'est les coulisses du road trip, tu vois. Hein? J'aurais pu avoir les galères. Voilà. J'aurais rien vu venir. C'est les coulisses du road trip.
Attends. Wouhou! C'est disco! Il faut peu de choses pour être heureux. Surtout. Wouhou! Eh ben aujourd'hui, vous savez pas quoi? Regardez-moi. Je me suis rasé. Vous savez pourquoi je me suis rasé? On a fait les 1000 km! Wouhou! On y a passé tout à l'heure. Ouais. Et les boguets, à part quelques caches à terre ou envolées, une poignée de gaz qui est partie aux pâquerettes, et une boîte à vitesse qu'on a pu réparer, tout bonne. Tout bonne. Ça roule. La remorque nous suit toujours. Quelle remorque? Ben le mulet. Hein? L'automos noir avec le mulet, il suit toujours. La remorque est là, ça va. Puis tout roule. Puis vous savez pas la meilleure? Hein? On cherche un... On a roulé. Bernard, il m'a dit, oh, on roule, on regarde si on trouve un camping pour se poser, parce qu'on voulait se doucher, sort, parce que ça fait qu'un petit moment qu'on sent un peu le porc. Quand on dit, on va se doucher, donc on a trouvé un camping, mais camping fermé, parce que tous les campings ferment, c'est pas la saison et tout. On est arrivé dans un 5 étoiles, on a dit, écoute, on a dit qu'on faisait un road trip, et nous a ouvert le camping 5 étoiles, rien que pour nous, et on a une piscine chauffée à l'intérieur, les toboggans, et même le cuisinier du restaurant nous fait à bouffer ce soir. Donc la classe. Top mondial. On est des héros. La France nous va nous vénérer. Mais on vous aime les Français. Ouais. Hein? Non, plus sérieusement, on était à un autre camping. Là, c'est vrai que la plupart des campings sont fermés. Et là, on a trouvé un camping 5 étoiles. Non. Du coup, on paye un petit poil. Franchement, voilà, il casse mon truc. Voilà. Moi, je voulais dire un truc fun, brisé. Voilà. Et du coup, on paye le camping 30 euros la nuit. Pour les deux, ça va encore, ça fait 15 euros chacun. Et c'est vrai qu'on a la piscine, le salut, jacuzzi. Et puis ce soir, on va manger des pizzas. Il y a des pizzas au feu de bois et tout. Donc on va se faire un petit plaisir. On va se manger les petites pizzas. On a vu un tir. On va faire péter la robe à la fermeture. Exact. Et puis on a profité, justement, vu qu'on est dans un chouette camping. Il y a la laverie et tout. Donc on a fait notre lessive. On a mis dans la machine. On a mis à sécher là. Tranquille comme ça, demain matin, on a les habits propres, secs, repassés. Non, pas repassés, mais presque. Ouais, Et voilà. Plus de traces de freinage dans le slip. Nickel. Pile tout poil. Est propre. Pile poil. En plus, on a fait le plein des estagnons juste avant, des vélomoteurs et des estagnons juste avant. Donc voilà, on a le plein demain. C'est on pour va ça pouvoir... qu'on fait le plein des pilotes ce soir. Voilà. On a besoin d'un petit remontant, c'est dur à supporter. Bernard, c'est quand même pas toujours facile. Hein. Je vous le dis. Et Gilbert. Waouh. Et les chapeaux. Le paysan. Ça te va bien aussi. Oh merde, ma calvitie, putain. Ma calvitie, attends. Ouais, puis depuis qu'on fait le road trip, il a les cheveux qui poussent. Non, c'est pas vrai, ça, c'est un menteur. Hein? Ouais. C'est les poils qui poussent, mais pas sur la tête. Donc aujourd'hui, on est sorti un petit peu des grandes routes et tout. Voilà, on monte gentiment sur l'Ardèche. On est où déjà? On est à Alès. On est en Ardèche. On est déjà dans l'Ardèche? Ouais, bien sûr. On est sorti de l'Hérault et puis on est arrivé dans bien le... Sûr. Ok, bon, nickel. Et voilà, c'est vrai que les Thomas fonctionnent bien, roulent bien. Ils vont nous ramener. Ils ont toujours la pêche. C'est vrai que là, on commence à avoir des montées, des descentes. Donc, il y a eu 2-3 montées. C'était un petit peu rude. Là, je suis passé en première. On est monté à 20 km/h. Mais heureusement, les montées n'étaient pas longues. Hein. Ce n'est pas des grands cols. On a fait un col à 350 mètres. Ça nous a fait bien rigoler. Bon, j'ai cru que tu allais dire à 15 km/h. Parce qu'on en a fait un à 15 km/h. Oui, on a fait un à 15, mais le col, il était à 350 mètres d'altitude. Donc, ça nous a fait un petit peu rigoler. Mais c'était... Ouais, parce que nous, on a plutôt l'habitude des cols quand même qui sont à 1008, 1009, 2000, 2400 mètres en Suisse. Donc, pas mal voilà. Mon profil. Ah ouais. Mais je t'ai pris du bon profil. Et les copines. Je suis célibataire. Hein. Ouais. Et à part ça, j'ai la rote parce que ma jambe me fait mal. Mais je m'en fous parce que je suis avec un super pote. On s'entend bien. Ouais. À
99% du temps. Voilà. Hier soir, on a une petite friction qui a duré 20 secondes. 20 secondes. Mais bon, il s'est calmé tout de suite. Ouais. Mais j'aurais dit 14 à 15 secondes. Mais j'ai pas enclenché mon chrono. C'est chaud, je peux te dire qu'on n'a pas eu. C'était une grossesse qui nous séparait parce que c'était le bordel. Ouais. Merci, Alexandra. Ouais. Elle s'appelle Lilou, d'ailleurs. Lilou. Ouais. Gentille serveuse. Ah ouais, trop chou. Franchement, on croise que des gens. Ouais. Top. On a été accueillis chez l'habitant. Partout où on va, ils sont à l'écoute. Hier, on est arrivé. On a pu poser notre tente à côté d'une cave à vin. On nous a fait une dégustation. Bon, on lui a quand même acheté une bouteille. Mais on est sorti de la dégustation un petit peu éméché. Un tout petit peu. Ouais. On a quand même goûté le bon vin. On a goûté le blanc et puis après le rouge. Donc, belle dégustation. Ouais, avec vraiment, Valérie. Ouais. Après, vraiment sympa. Une petite pub pour elle. Voilà. Elle nous a accueillis, nous a demandé, alors on va le faire parce que. Ouais. Bip, bip. Puis, j'ai fait la sirène une fois, mais je ne ferai pas deux fois. Hein. Ah ouais. T'as fait la sirène, ouais. C'est juste. Voilà. Puis là, j'ai fait du toboggan hein, parce que dans le camping 5 étoiles, que, comme vous l'avez compris, pas été ouvert rien que pour nous parce que vu qu'il a vendu la mèche, hein, qu'il pensait faire le buzz, ouais, tu es les gars, tu es les classes et tout. Raide quoi, que Bernard, c'est un type qui est droit comme ça. Ouais, tout le temps. Tu peux pas dévier, à part sur la route, hein, parce qu'on est parti une fois à gauche, une fois à droite, on s'est un peu perdu. Voilà. C'est de sa faute, hein, celui qui a le GPS, moi je suis. Des fois, je lui dis un truc, il me dit non, comme toujours. Ah ouais, non. C'est tout le temps non avec. Ouais, tout le temps non. Je pense que je l'aimerais pas s'il me dirait oui, donc je fais avec. Bon, ce soir, ça va être la pizza. Là je dis oui, je dis oui. Il dit oui pour la pizza. Pizza aux fruits de mer. C'est qui? Il y a personne parce que vous voyez pas. Attendez, je vais vous montrer parce que on est assis sur le toboggan. Attends, je vais faire un toboggan en live. Ah bah ouais. Attends. Attention. Alors là, on va faire lundi soir. Attention. Hein, Bertrand va faire un toboggan. Attention. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. C'est trop de la balle. J'ai pointé les pieds en avant parce que j'ai mal aux pieds. Voilà. Et vu ce qu'on ne fait pas. Puis tu me laisses comme ça là. Bah ouais, parce que je te laisse comme ça parce que du coup, quand t'as fait le toboggan, il y a plus que trois personnes qui nous suivent. Ah, on voit petite fesse là, t'as vu? Ah non, on voit pas. Non. Bon, maintenant il va falloir que je sorte le bonhomme. Regarde, il est en train de ramper. Ah, c'est pas facile. Non, mais t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Eh, vous avez vu ce que je fais pour être pas vu? Ah, il y en a un qui est venu. Il y en a un qui est revenu. Non, vous avez le droit. Et à part ça, vous avez. Si Dominique. Si on vous saoule, vous avez le droit de dire qu'on vous saoule. Ouais. Dominique. Vous manquez pas de boisson. Là, on est. Ouais. Salut, profite hein, Max. Mais oui, ouais, on profite. Franchement, on a passé une journée magnifique. Aujourd'hui, il a fait vraiment super grand beau. Et puis, on est sorti des grandes routes. On n'avait plus que des petites départementales. Alors, des fois, la qualité de la route, elle n'est pas top. Mais franchement, des paysages magnifiques. Je vous montrerai tout ça quand je ferai mon montage vidéo. On a filmé un petit peu la route qu'on traverse, ces petits villages et tout. Et demain, je pense qu'on va aussi avoir vraiment des paysages vraiment super. Bon, on a faim. David et Cavu, vous passez le bonjour. Mais oui, merci. Ils sont en train de regarder. Ah, ben ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Vous voyez, hein, on ne se laisse pas aller. Rien. Ouais. On a bu la bière, on a bu de la bière, triple fermentation en arrivant au camping. Ouais. 9%. Ouais. C'est le fils de la patronne qui le fait. Brasse, ouais. Qui le brasse. Ouais. À la belge, on n'est pas trop dépaysé. Ouais. Ça ressemble un peu à la carmélite. Franchement, j'étais assez content. Ouais. Bon, par contre, c'est Bernard qui serait le moins content parce que la carmélite à Liège me fait péter mauvais. Vous vous rappelez, j'ai vidé le bistrot une fois. Ah ouais. Bah, ça risque bien, j'ai bien de vider la tente. Ouais. Mais maintenant, on a compris le truc. Hein. Dans la tente, on fait pied-bêche. Hein. Il y en a un dans un sens, un dans l'autre sens. Et puis comme ça... Ouais, on dort en 69. Voilà.
Exact. Comme ça, il y a de la place pour tout le monde, parce que sinon. Le pastis, c'est bon, ouais, le pastis, il est toujours bon. Puis le rhum, nickel, un petit clin d'œil à Véro. On va vous laisser. On va se lâcher là-dessus. Hein, surtout, surtout, n'oubliez pas. Bougez, respirez, restez en mouvement. Et l'aventure n'est pas finie. Hein. Rendez-vous demain soir, Et 8h, 9h, un samedi par prochain, le ah non, retour. à demain. Ciao. Allez, Ciao. bye Buonasera. bonne nuit, faites beau rêve. Nous, on va aller tchoter. Non, on va les manger. Ah, merde. On va les manger. Ma langue à fourcher.